Salut tout le monde! Donc cette semaine, on continue avec les lundis de lune, d'accord? On va avoir une pleine lune qui va être assez importante parce qu'elle va parler de changement. Changement du fait que l'on va doucement passer de l'été à l'automne, normalement, d'accord? Et changement aussi parce qu'on va avoir une pleine lune qui sera sous le signe du Verseau qui, pour ceux et celles qui connaissent les Verseaux, ça va parler de changements soudains, fixes, radicaux, inattendus, mais on peut s'y préparer afin de ne pas être pris au dépourvu et c'est pour ça que je fais les introductions avec un peu l'astrologie pour au niveau de la lune pour qu'on puisse détailler tout ça et voir ce que ça peut nous apporter. Donc on va avoir de moins en moins de soleil, ce qui va avoir tendance à, comme toutes les années, nous affecter au niveau émotion et au niveau psychique. Donc il va falloir déjà se préparer à ça. Donc cette pleine lune va se faire pendant la polarité Vierge-Poisson, qui en astrologie, la polarité Vierge-Poisson, c'est l'axe de service. Alors la polarité, c'est quand deux signes sont en opposition sur la roue du zodiaque. Mais quand je parle d'opposition, comme je dis souvent, c'est pas un signe contre l'autre, c'est qu'est-ce qu'un signe peut apporter à l'autre. Sur la roue du zodiaque, vous allez avoir des signes qui sont opposés l'un à l'autre et en général, c'est ce que vous devez aller chercher. Par exemple, pour le signe de la Vierge, les Vierges pourront aller chercher chez les Poissons le côté beaucoup plus spirituel, le côté beaucoup plus détaché, le côté un peu plus irrationnel, alors que les Poissons pourront aller chercher chez les Vierges le côté ancré, ordonné, strict, où on doit faire extrêmement attention, d'accord? Donc c'est pas une opposition malsaine, c'est une opposition de qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Donc l'axe de service qui représente les Vierges et les Poissons parle du fait que les Vierges et les Poissons en général sont toujours concernés par leurs prochains, ont toujours besoin de prendre soin des autres. Et là, je ne parle pas des personnes que vous avez connues qui sont du signe du Poisson ou de la Vierge, puisque je rappelle que je parle des signes. Donc, je ne parle pas des personnes qui vous ont maltraité, qui vous ont abandonné, qui vous ont fait du mal. N'oubliez pas que le signe ne fait pas la personne et la personne ne fait pas le signe. Les êtres humains ont et des éducations différentes, ont des vécus différents, ont choisi le bon ou le mauvais côté de la vie en fonction de leurs expériences. Là, je parle, il va falloir se détacher du côté un être humain qui est du signe de la Vierge, du Poisson m'a fait ça. Là, on parle vraiment du côté astrologique. Donc, le point en commun des Poissons et des Vierges, donc, c'est qu'ils ont toujours besoin d'être, ils sont toujours concernés par leur prochain. Les Vierges veulent et ont besoin d'être utiles et les Poissons ressentent les émotions, la peine et la misère des autres. Sans compter que les autres points communs qu'on a avec le Poisson et la Vierge, que ce sont deux signes qui sont féminins et mutables, et donc des signes qui s'adaptent, en général plutôt en surface, jusqu'à ce qu'ils soient obligés, bien sûr, d'affronter les problèmes qui nous ont repoussés, mais ce sont des signes qui s'adaptent en général assez facilement et qui posent pas de problème. Ce sont des signes qui ont souvent un problème d'identité, qui n'est pas insurmontable, mais des signes aussi qui sont fragiles, vulnérables, sans jamais forcément le montrer, est très subtil. Pour les personnes qui connaissent les Vierges et les Poissons, vous savez très bien que vous avez l'aspect de la Vierge du Poisson qui est totalement différent entre ce que les Poissons vous montrent quand vous les connaissez, les Poissons et les Vierges vous montrent quand vous les connaissez intensément et les personnes lambda, d'accord ? Et ne venez pas me dire qu'est-ce qu'elle a contre les Poissons et les Vierges. Je suis du signe de la Vierge, j'ai 4 placements Vierge, donc Vierge, c'est moi, ok ? Et le Poisson est mon signe opposé. Donc, l'axe de service va parler pour nous d'équilibre dans nos routines quotidiennes, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on donne, dans notre santé physique, dans l'ordre des choses pour le signe de la Vierge. Et au niveau Poisson, ça va parler de spiritualité, de vision, de désordre et d'infini, de fin et de commencement, puisque le Poisson est le signe qui ferme la roue du zodiaque, mais c'est aussi le signe qui permet de faire redémarrer la roue du zodiaque avec l'expérience quand on arrive chez les Poissons. Donc pour trouver un équilibre dans tout ça, il va falloir qu'on identifie et qu'on exprime ce dont on a besoin spirituellement, mais en gardant les pieds sur terre, en étant ancré. Et ça peut être difficile dans le sens où on aura tendance à privilégier l'un ou l'autre, et c'est ce qu'il ne faudra pas faire parce qu'on risque de le regretter. Il va falloir exprimer et chercher ce que l'on veut spirituellement. Pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes un peu perdu au niveau de votre spiritualité, vous priez différemment, vous croyez différemment, vous voyez les choses différentes. Et n'ayez pas peur de demander sur votre autel ou au divin de vous accompagner durant cette transition pour ne pas faire de faux pas, pour aller dans la bonne direction. Parce que ça peut être une situation où on va dans la mauvaise direction sans s'en rendre compte. Mais pour la pleine lune en Verseau, il va falloir qu'on sache exprimer et demander ce dont on a besoin spirituellement, mais en gardant les pieds vraiment ancrés dans la vie de tous les jours. Comme j'ai dit, sinon on risque de le regretter. Alors par contre, le truc, c'est que la pleine lune, en plus d'être dans tout cet aspect-là, va être en conjonction. Je mettrai le thème en plus gros, parce que je ne sais pas si vous voyez extrêmement bien là, avec l'ordinateur.
on va avoir la pleine lune, on va avoir la pleine lune et Saturne qui vont être en conjonction. Donc, ça va nous demander quoi? Ça va nous demander d'observer nos émotions à travers la vision ou la lentille d'un adulte responsable et sérieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Saturne représente l'énergie des Capricornes et la Lune représente l'énergie des Cancers qui sont eux-mêmes en général en opposition. L'énergie des Cancers et de la Lune qui est féminine et l'énergie des Capricornes de Saturne qui est plutôt l'énergie paternelle. Et là, ça va nous demander de... On va être confronté à nos émotions parce qu'on va avoir des choix compliqués à faire et on va devoir affronter la réalité et nos émotions pour pouvoir effectuer les bons changements. Ce qui risque d'être assez tendu parce qu'on va sentir la pression du devoir. Comme je le dis, Saturne, c'est pas forcément... Saturne, c'est pas la planète uniquement du karma et des leçons. Saturne, c'est aussi une planète qui nous veut du bien, qui nous force à changer et qui nous, en gros, punit quand on n'effectue pas les changements nécessaires, parce qu'au final, c'est un peu comme « je te préviens qu'il va t'arriver ça, tu n'écoutes pas, voilà ce qui t'arrive et tu reçois une bonne leçon. » Saturne, c'est la planète qui nous permet d'évoluer, de devenir adulte et responsable. Et avec l'énergie de la Lune, ça va être délicat. Pourquoi? Parce qu'on va être dans l'énergie des Cancers, qui est vraiment l'énergie de la mélancolie. Même si les Cancers sont en général des signes qui affrontent la réalité et qui vont vers les buts qu'ils se sont fixés, il y a toujours le côté émotif qui fait que des fois... ils dévient un peu ou ils retardent un peu la réussite de leur but. Pourquoi? Parce que émotionnellement c'est trop et émotionnellement ils font un peu des bêtises qui font que ça recule, ça n'avance pas et après c'est le tourbillon de pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, parce qu'on laisse les émotions se submerger. Là je parle pas des Cancers et des Capricornes uniquement, je parle de nous tous. Donc on va devoir confronter nos émotions et faire ce qui est juste et responsable, et ça peut faire de la peine à notre environnement, à notre entourage, nos enfants, nos parents, notre partenaire, au niveau du travail, mais ça va nous demander d'être vraiment strict et de laisser les émotions un peu sur le côté, sans compter que les émotions c'est vraiment le côté égo, le côté où l'égo va vous dire vous n'allez pas pouvoir y arriver, c'est impossible, vous êtes nul, etc. Comment je vais faire? Il va falloir laisser l'ego et les émotions de côté pour se concentrer sur vraiment avoir un but et y aller et se dire que c'est la directive que je prends et c'est comme ça et pas autrement. Le côté strict, le côté on met les émotions de côté et on fait ce qu'il y a à faire. Ça va être une période qui va être intense, un peu compliquée, mais ça va passer comme tout. D'accord? Donc on a fini avec le topo de la Lune. Et donc du coup là on va passer à l'aspect, enfin au tirage pour les chaque signe de la semaine. Je vous dis donc à tout de suite. Salut les lions. Ok, donc on va voir ce qu'on a pour la semaine du 19 au 25. Et on commence comme toujours par l'énergie de la lune. Pour tous ceux et celles qui veulent des informations sur les services que je propose, les bougies, les encens, les poudres, les rendez-vous pour les séances de tarot, les huiles, tout se trouve dans la description. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur le site pour recevoir les messages intuitifs du Jardin Céleste, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui sont autres que les signes astrologiques. C'est plutôt une méthode pour moi de vous encourager dans les situations de la vie de tous les jours. Et vous avez aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, l'école du Jardin Céleste, qui est un peu comme un investissement, qui représente une bibliothèque où tant que je serai vivante, je vous posterai des rituels, des astuces, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que des choses sont postées tous les jours, d'accord? Parce qu'il faut quand même un certain temps pour tout organiser, mais c'est posté. Et vous avez aussi, en tant que membre du jardin de l'école de magie, les messages intuitifs qui vous sont proposés en plus. Donc si ça vous dit, allez-y. Qu'est-ce qu'on a pour le message de la lune? Donc là, il y en a beaucoup trop. Ok, donc on a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Pour le message de la lune. Ok. On a travaillé à travers vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Et on a eu le premier quartier en scorpion justement. Peut-être que vous avez besoin de fournir un peu plus d'efforts et d'aller de l'avant, même si ça vous fait peur. Investissez, créez, planifiez. N'ayez pas peur et dites-vous que ça va aller. Mais ça peut être une situation où vous devez un peu transcender la peur. Et vous dire que ça ira. Peu importe la situation. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Un besoin de collaborer, de coopérer. Ou peut-être pour certains, c'est littéralement vous qui retournez sur le monde du travail et ça vous fait peur. Parce que si vous êtes tombé malade ou vous avez une période de pause ou je sais pas moi, vous avez fait quelque chose qui fait que vous n'avez pas travaillé pendant un certain temps, n'ayez pas peur d'y aller et de recommencer à aller sur le monde du travail, ça ira. Je sais que ça peut faire peur quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fréquenté le monde de la société ou travaillé. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Dis-moi en plus. Le fou, le 3 de denier again.
vous avez besoin de, d'y aller sans peur. Le fou, c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui fonce. Ouais, le 9 de coupe. Le 3 de denier, le 9 de coupe à l'envers, le 7 de denier à l'envers, le 6 de bâton, ouais. En vous libérant peut-être d'une personne, d'une situation qui ne vous permet pas d'être accompli, ça vous permettra de prendre du recul et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, vers vous-même, d'aller vers la victoire. Pourquoi le 9 de coupe à l'envers? Sinon, c'est vous qui n'êtes pas totalement heureux. Ouais, pour certains, vous avez créé quelque chose, une entreprise ou créé quelque chose qui soit n'a pas été un succès, ou en tout cas un succès visible, soit c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et en vous libérant peut-être, fais voir le 3 de denier, parce que j'ai dit qu'il faut peut-être collaborer, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Ouais, la collaboration, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Ça marche pas financièrement, ça vous rend pas heureux. C'est un mauvais investissement et vous avez besoin de vous en libérer. Ce que vous avez créé, ça ne vous satisfait pas ou sinon ça n'a pas eu le résultat escompté. Ça va vous permettre avec le 7 de denier de prendre du recul. Le fait de prendre du recul, ça vous permettra d'aller de l'avant, mais ça va vous demander de donner tout ce que vous avez, d'accord? C'est quelque chose qui va... La force, c'est littéralement être brave. Et être brave, c'est quoi? C'est faire les choses même quand on a peur. Vous avez besoin de travailler malgré la peur, de vous libérer de ce contrat, de cette association. Ou sinon, c'est vous qui avez peut-être quelqu'un dans votre environnement qui a peur. C'est une personne ou vous qui devez sauter. Sautez, ayez le courage, la force et la volonté de le faire et vous allez y arriver. Ok ? C'est pas un échec. Enfin, c'est un échec, mais quand les échecs nous apprennent plus que nos victoires. Nos victoires, quand on en a, ça ne nous apprend rien du tout. Pas vraiment, en fait. Mais nos échecs, ça nous permet de réfléchir à savoir comment faire pour ne pas recommencer les mêmes choses. Les victoires, c'est oui, on a fourni des efforts, mais on ne se rappelle plus trop de ce qu'on a fait. Quand on a une victoire, on se contente simplement de fêter et de se dire « waouh, j'ai réussi ». Quand on a perdu, par contre, on réfléchit à notre parcours et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça n'a pas fonctionné ?» Pour certains, oui, pour certains, il y a des personnes quand même qui réussissent à penser à comment ils ont fait pour réussir, pour pouvoir garder le même schéma et continuer. Par contre, c'est vrai que là, je dis une bêtise. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le réflexe de faire ça. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la semaine? L'encre. Encre égale prospérité. Tout prêt, fidélité, est-elle ma placée? Tu as frivole idée. Donc on va voir. Ça peut parler de cette situation que vous avez créée, cette entreprise qui a été un échec, qui était une idée frivole, puisqu'on a eu le fou. Mais on va voir si c'est lié. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a les 4 d'épée. Le 5 de coupe. L'étoile et le valet de coupe. Le soleil. On a un instant. Avant que je commence à parler comme une vieille mamie. Enfin non. Oh, désolée pour les personnes âgées qui me suivent. C'est juste que je commençais à avoir la voix rauque. Pas très délicat de ma part, désolée. La finalité. La mort. Vous êtes obligé de passer par une phase de transition, ok? C'est un moment à passer. Ou en tout cas, vous allez peut-être l'accepter. L'encre. Le 2 de denier. La situation qui parle de prospérité ou là, ce que vous avez créé, c'est quelque chose qui est assez instable. D'accord? C'est pas quelque chose qui vous rapporte, c'est quelque chose qui vous demande de jongler beaucoup, soit au niveau du travail, ou quelque chose qui vous demande de gérer. C'est peut-être pas forcément. C'est pas forcément. Si c'est une relation amoureuse. Ok. Ouais. Si c'est une relation amoureuse, c'est une relation qui vous demande de fournir des efforts. Comme j'ai dit tout à l'heure, littéralement, vous avez peut-être pris une décision qui n'était pas très judicieuse. Le fou à l'envers, c'est quelqu'un, déjà qu'à l'endroit, c'est quelqu'un qui on va dire, un peu un profane dans le monde spirituel. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, une personne qui prend des décisions sans réfléchir, mais à l'envers, en gros, c'est une personne qui prend un risque sans réfléchir. Et pour certains, vous avez pris un risque, ou une personne a pris un risque sans vraiment mesurer le travail qu'il aurait fallu donner, ou mesurer ses finances. Quelqu'un a pris un risque qui n'est pas très intelligent. D'accord ? Un risque qui n'était pas très judicieux et pas réfléchi. Pourquoi vous avez fait ça ou pourquoi cette personne a fait ça?
Le valet de Denier. Oh, non, non. Le valet de Denier, le 10 d'épée. Ah, d'accord. C'est une personne qui a... Vous ou cette personne, vous aviez envie de vous sortir d'une situation délicate. Vous aviez envie d'en terminer avec une situation. Quelque chose qui vous blesse ou quelque chose qui vous rapporte peu. Vous avez peut-être pris un risque parce qu'en gros... voilà quoi, étant donné que je suis déjà dans une situation difficile ou autre, pourquoi ne pas prendre un risque et on y va, on va voir. C'était pas très, très intelligent, mais bon, ça nous arrive à tous. Le 4 d'épée parle d'une situation qui vous demande de guérir, quelque chose qui est au repos. Le 6 d'épée, la lune, le chevalier de coupe, le pendu et le 2 de coupe. Qu'est-ce qui bouge pas ? Un besoin de repos, un besoin d'aller vers la paix, un besoin de sortir peut-être, de vous éloigner de la visibilité. Il y a une situation aussi qui peut-être, quelqu'un a voulu aller vers la paix et a voulu aller vers peut-être se cacher ou... Peut-être ne plus être, surtout si on a le 9, on a eu le 9 de coupe avec l'as de bâton tout à l'heure, 9 de coupe à l'envers, l'as de bâton à l'envers. Pour certains, peut-être que vous avez reçu, vous avez eu une certaine reconnaissance ou vous avez peut-être été visible concernant ce que vous avez créé, mais ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que vous avez eu envie d'aller vers la paix, donc d'aller vers le côté sombre. Vous n'avez plus eu envie d'être visible. Vous avez eu envie de rester, de vous reposer, de rester dans l'ombre, de ne pas être visible. Peut-être que dans le passé aussi, quelqu'un est venu vous voir, c'est une personne que vous avez bloquée et quelqu'un a voulu peut-être se réconcilier avec vous. Mais ça part de vous qui... Ça n'a pas fonctionné, j'ai pas envie qu'on me voie ou j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de guérir. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ouais, c'est regretter une décision, ouais. Vous avez pris une décision qui est toujours difficile à surmonter. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Ce sont les regrets. C'est tous les jours se dire que, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, je regrette. C'est se concentrer sur ce qui n'est plus au lieu de se concentrer sur ce qui est toujours. Et c'est ce qui est difficile pour vous parce que vous avez peut-être pris une décision, soit au niveau d'une personne que vous connaissez depuis le passé, soit au niveau de votre enfance, de votre enfant, pardon, soit au niveau d'une situation qu'il faut laisser derrière. Vous avez beaucoup de regrets, en fait. Beaucoup de regrets par rapport à votre enfance, par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps ou par rapport à une situation que vous avez dû laisser derrière. Pourquoi le jugement et les regrets comme ça? Ça peut être quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Pourquoi? Ah, vous ou quelqu'un de votre environnement. Alors, ça peut parler d'une situation où, en tant que parent, quelqu'un regrette peut-être d'avoir mal éduqué ou de ne pas avoir été là pour son enfant. Et cet enfant qui peut être du signe de la Vierge, qui peut être Sagittaire, on a pratiquement tout, c'est un enfant qui donne tout ce qu'il a ou tout ce qu'il peut pour pouvoir réussir. Et peut-être que si vous êtes en couple avec un signe de feu aussi, c'est vous-même, c'est un enfant aussi qui est très sur la défensive. La défensive sur ses propres enfants, sur sa propre progéniture, sur ses propres créations. C'est peut-être si c'est un enfant, quelqu'un qui ne vous dit pas, qui ne vous parle pas de tout. Et peut-être que vous regrettez de ne pas avoir été là pour soutenir cette personne lors de son enfance. C'est possible aussi, hein. Ou sinon, si vous avez une partenaire qui peut être d'un signe de feu qui est dans cette énergie ou peut-être que vous regrettez aussi de vous être mis en couple avec la mère de vos enfants parce qu'elle n'a peut-être pas été une mère assez tendre ou quelque chose comme ça. Le jugement. Il y en a trop. Le jugement, c'est quand on réfléchit à ses actes passés, on voit comment sont... Ouais, l'ermite... On réfléchit à ses actes passés, on voit comment ça a affecté notre destin. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou à un enfant qui est du signe de la Vierge, soit c'est vous qui avez besoin de faire une certaine introspection concernant les choix que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets des choses du passé, beaucoup de regrets sur les choses que vous avez faites. Ça veut dire quoi la Vierge pour vous, hein? L'ermite. Le 2 de denier. C'est l'ermite qui crée cette instabilité. Le 8 de bâton. L'empereur. Pourquoi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, vous avez un enfant qui arrive à se démerder seul et c'est comme si vous regrettiez de... C'est pas que vous regrettez d'avoir un enfant qui arrive à se débrouiller et qui a un certain statut, hein. C'est
soit vous regrettez de ne pas avoir été là pour votre enfant et de ne pas l'avoir vu grandir et devenir comme ça, soit votre enfant aura besoin de votre aide financièrement. Le 2 de Denier et l'ermite. Ok, la tour. Non, le 2 de Denier et l'ermite, ça part d'une situation soudaine, un échange, quelqu'un qui va vers son souhait, qui signe un nouveau contrat, qui collabore. Non, ouais, j'ai plutôt l'impression que non, c'est un peu comme quand on a un enfant qui a dû grandir tout seul, on le voit grand en fait. On le voit en tant qu'empereur, quelqu'un qui gère son entreprise, son empire, etc. Et ça nous choque parce que mince, qu'est-ce que j'ai fait quand cet enfant était petit? Est-ce que j'ai pas contribué à son évolution ou j'ai pas contribué au fait qu'il devienne un empereur, homme ou femme? Et ça peut être cette énergie de regret, de se dire punaise, mon enfant se débrouille bien. Et c'est un peu la nostalgie de se dire punaise, mon enfant se débrouille super bien et c'est un enfant qui a dû se démerder tout seul. Et c'est ça en fait, le regret de ne pas avoir été un parent présent peut-être. De ne pas avoir été une figure d'autorité, de ne pas avoir collaboré lors de son enfance. Ça arrive des fois de voir que son enfant a dû se construire tout seul ou grandir. Et quand on voit tout ce que cet enfant a accompli, on se dit punaise, j'ai pas été là. Et surtout si c'est un enfant qui lui-même a des enfants, vous voyez comment votre enfant, à l'inverse de vous, fait tout pour ses propres enfants. En gros, c'est comme quand on n'a pas eu une enfance géniale et qu'on fait en sorte que nos enfants ne... C'est beaucoup d'enfants dans une phrase, mais désolée. On fait en sorte que notre progéniture, ok, ne subisse pas la même chose. Vous voyez peut-être votre enfant faire avec ses propres enfants ce qu'il ou elle n'a pas eu. J'ai pas eu un père présent, j'ai pas eu un père qui a collaboré ou qui a investi avec moi. Donc je le fais pour mes propres enfants pour qu'ils soient heureux. Vous voyez votre enfant, vous voyez une personne donnée et ça vous choque ou... Si on parle d'une figure paternelle. Sinon, c'est simplement vous qui prenez... Si ce n'est pas une décision de parent-enfant, c'est simplement vous qui vous rendez compte que vous avez peut-être pris des décisions dans le passé que vous regrettez énormément. On a l'étoile et le valet de coupe. Le 6 de denier. Le jugement, encore une fois, hein. L'étoile, c'est un nouveau départ. Le valet de coupe, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais le 6 de denier, c'est faire ce qui est juste et prendre une bonne décision avec le jugement. Pourquoi le valet de coupe est à l'envers? Un délai. Dans ce cas-là. Que signifie l'étoile si le délai est là? Quelqu'un qui doit continuer à avoir la foi, à garder l'espoir. Le fou. Un nouveau départ. Un changement de perspective. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle alors si on change de perspective? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi c'est pas... Ah, le valet de denier à l'envers. Comme j'ai dit, j'ai pas l'impression que ça soit forcément que des finances, hein. J'ai plutôt l'impression que si vous avez un enfant unique, surtout si c'est quelqu'un qui est du signe de la Vierge, vous voyez cet enfant prendre son envol et se débrouiller, se démerder. Et c'est pas une bonne nouvelle, pas parce que vous ne souhaitez pas que cet enfant grandisse et évolue, c'est une mauvaise nouvelle peut-être parce que vous n'avez pas été présent pour cet enfant. Et vous le regrettez. Ou quelqu'un de votre environnement. Si c'est pas ça, c'est une personne qui prend une décision, qui veut se libérer, qui ne reçoit pas la nouvelle... ou le message qu'il pourra le faire. Pourquoi on a le valet de coupe et le valet de denier à l'envers? C'est quoi qui est bloqué? C'est quoi le délai? Le 7 de denier, un besoin de patience. Le chevalet de coupe. Fébrile. La reine de denier. Vous avez sûrement affaire à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Les deux valets à l'envers... Un investissement fébrile qui mène à la stabilité. Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être le côté ouais, fébrile concernant peut-être des investissements financiers, mais c'est une bonne nouvelle. Simplement qu'il y a un certain délai. Du coup, l'étoile, c'est pas forcément guérir, c'est garder la foi malgré les mauvaises nouvelles ou les délais. Pour vous ou pour votre enfant, d'accord ?
Le Sun, qui représente le succès. Alors un instant, parce qu'il y en a trop. Le Soleil. Le Soleil apporte une bonne nouvelle, une victoire, avec de la patience, exactement. Vous avez peut-être un enfant qui va vous appeler aussi. Si c'est pas vous qui regrettez de ne pas avoir été dans l'éducation de votre enfant, c'est peut-être votre enfant qui vous dit « punaise, j'arrive pas, j'ai toujours pas reçu de nouvelles concernant ce que je souhaite faire, etc. On m'a pas appelé. » Et c'est un enfant qui perd la foi et qui a besoin de travailler à travers ses peurs et qui perd la foi. Mais si cette personne continue à peut-être à passer à l'action pour aller vers un certain succès, c'est une personne qui recevra une bonne nouvelle, une victoire, après une certaine patience, qui ira dans la bonne direction et qui pourra limite déménager ou partir d'un environnement et se construire. Avec la mort, ça part d'une phase de transition. Ça peut être un enfant qui vient vers vous et qui n'arrive pas à avoir de bonnes nouvelles concernant un projet ou autre. Et c'est une personne qui va devoir travailler à travers les peurs, se dire « ok, c'est pas grave, si j'ai pas de nouvelles, je continue à aller de l'avant ». Et en continuant, c'est une personne qui ira vers le succès, qui passera par une phase, alors peut-être pas de transition personnelle, mais qui mettrait un terme à une situation pour aller de l'avant et pour aller mieux. Scorpion. On a l'énergie des scorpions, la finalité, on a l'énergie des scorpions au niveau de la lune. Le chevalier de coupe, ouais. Passer de... C'est la même chose. Vous avez peut-être un enfant comme ça qui doute et qui se dit « punaise, ça va pas venir, ça va pas venir ». Mais c'est un enfant qui voit pas qu'en continuant à aller de l'avant, une offre viendra vers lui ou vers elle qui permettra d'avoir la stabilité. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou Scorpion. De toute façon, Scorpion-Vierge, c'est pareil. Pour ceux et celles qui connaissent l'histoire. Et c'est juste un enfant qui va devoir se dire « c'est quoi ?» Peut-être que... On m'a pas dit oui pour ce projet, cette proposition, mais si cette personne, cet enfant continue ou si vous continuez à donner tout ce que vous avez pour aller de l'avant, ça marchera. Faut pas stagner. D'où le pendu qui était là. Besoin de ne pas rester dans la stagnation. Un besoin de... Au lieu d'attendre que les choses viennent à nous, de continuer à postuler, à investir, ou de continuer... pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'on a pour les lieux? Le passé reste dans le passé. Reste dans le passé. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, la vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant, oublie ce qui est dans ton dos, libère-toi du révolu, d'où l'énergie du fou. Le passé est passé, il en est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement en faisant fi de ce qui de toute façon n'existe plus. Ouais, ça résume un peu la séance à l'heure actuelle. Continue à aller de l'avant, s'occuper du présent pour pouvoir manifester l'avenir, ne pas douter. Repartir et manifester ce que l'on souhaite. Vous avez peut-être une personne qui passe par une phase où c'est un peu compliqué d'aller de l'avant, mais c'est une personne qui va devoir continuer à le faire. Et cette personne, en donnant tout ce qu'elle a pour pouvoir continuer, parce que le soleil, c'est pas une réussite innée, c'est en gros continue, tu vas dans la bonne direction. C'est peut-être une personne qui va peut-être recevoir un message de refus, ou une personne qui va peut-être attendre un message. Mais au lieu d'attendre, cette personne va devoir continuer et ne pas attendre sur eux. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et continuer à aller de l'avant pour aller vers ceux qu'il ou elle souhaite, et ça va fonctionner. Ok ? Si c'est vous, c'est votre message. Les lions, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 19 au 25. Je souhaite une bonne semaine et je vous dis... N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com. Donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique. Il y en a d'autres, mais je vous montre les produits phares. Vous avez en premier, par exemple, la bougie de retour à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel. Vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure. Le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile Vanvan qui servent à purifier et à nettoyer votre maison, vos objets, vos talismans, vos amulettes. Vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison. La poudre de bannissement à semer partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives. L'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches, cols et chaussures. C'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez, sur tous les chemins que vous empruntez. Vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur, donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renforcer le rituel.
L'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos gris-gris, dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière. Vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme, la protection de l'archange Saint-Michel, la paix aussi dans votre environnement, que ce soit au travail ou à la maison. Donc si vous pouvez brûler cette bougie au travail, tant mieux. Vous avez aussi l'encens intense purification qui sert à chasser les entités négatives, les démons et toutes les énergies négatives. Donc cet encens est à brûler sur du charbon ardent, ainsi que le sel exorcisé, à mettre à chaque recoin de votre maison, au niveau de vos fenêtres, de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes, les énergies, les entités négatives. Et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines, protection et amour et romance. Et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions, justement avec ces bougies si vous le souhaitez. Et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse, ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot, au niveau de votre thème astral, ce genre de choses. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver au studio, vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement. Ok? Allez, bonne journée, au revoir.